Café Citrouille, c'est Tutur et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 d'Undertale. Donc la dernière fois on avait combattu Metaton, on avait galéré, on avait exploré le corps, etc. etc. J'avais pris peut-être 3h30 je pense à la rencontrer Metaton, j'avais galéré, c'était infernal. Donc aujourd'hui on va prendre l'ascenseur pour aller rencontrer Asgore et se barrer, à moins que ce soit dans les derniers épisodes je pense. Peut-être le dernier, peut-être l'avant-dernier, je sais pas du tout. En tout cas bref, sur ce du coup, on va pas plus tarder et du coup bah c'est parti. Alors pour un petit info, en fait Metaton il est pas réellement mort, il a plus de batterie. Il avait dit mais j'étais pas sûr. Ok, le grand ascenseur. C'est long hein. C'est très 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 long. Ok. Oula. Oula. Oh c'est la ville. Hein? Wesh. Ouais c'est la ville des ruines. Pas des ruines du château. C'est la ville royale. What the fuck? La ville royale. Long couloir. Oh. C'est twisté putain. Oh je vais juste l'écouter en entier un peu là. Je vous jure ça fait trop du bien. Cette OST je l'écoute énormément. Je l'écoute énormément cette OST. Il y a plein de fleurs. Il y a très longtemps, un humain tomba dans les ruines. Blessé par sa chute, l'humain appela à l'aide. Il y a une clé là. Vous prenez la clé et l'accrochez au porte-clé de votre portable. Arzriel, le fils du roi, entendit son appel. Il ramena l'humain jusqu'au château. Arzriel. Ah bah oui, Arzriel. Putain, il y a plein de fleurs. Il y a un médaillon en forme de cœur dans le paquet cadeau. Voulez-vous le ramasser cet objet? Vous obtenez le médaillon en forme de cœur. Il y a une dague émoussée à l'intérieur du paquet. Voulez-vous ramasser cet objet? Ramasser. Vous obtenez la dague émoussée. Ok. Pièce en rénovation. Au fil du temps, Asriel et l'humain devinrent très proches. Le roi et la reine considèrent l'humain comme leur propre enfant. L'outre-monde était rempli d'espoir. Mais c'est nous? C'est la chambre matérielle, ça, je pense. C'est le journal d'Asgore. On peut lire quelle belle journée. Ah, c'est la chambre d'Asgore. L'encre à peine a commencé à sécher. Je pense que c'est la maison d'Asgore et que Asgore, c'est le mari de Toriel. Asriel, je pense que c'est son fils. Asriel, c'est un mélange de Toriel et Asgore. Vous déverrouillez la chaîne. Non, moi je vais. Ah, voilà. On va affronter Asriel. Ah. Puis, un jour, l'humain tomba gravement malade. Ok, donc c'est pas nous. Bah après, affaibli, l'humain ne désirait qu'une seule chose, revoir les fleurs de son village. Mais nous ne pouvions rien faire. Le jour suivant, l'humain mourut. Oh là là. Attends, mais c'est un truc de baiser là ce qui se passe. Asriel, anéanti par le chagrin, absorba l'âme de l'humain et se transforma en un être doté d'incroyables pouvoirs. Avec l'âme de l'humain, Asriel traversa la barrière et porta le corps du défunt à la lumière du soleil, jusqu'au village des humains. Asriel atteignit le centre du village. Là-bas, il trouva un lit de fleurs dorées et déposa l'humain dessus. What the fuck? Tout à coup, des hurlements retentirent. Les villageois avaient vu Asriel portant le corps de l'humain, croyant qu'il avait tué l'enfant. What the fuck, il se passe quoi? Les humains l'attaquèrent de toute leur force. Asriel fut assailli de coups. Il avait pourtant le pouvoir de tous les éradiquer. Mais wesh, mais il s'est passé quoi? What the fuck? Mais Asriel encaissa chaque coup sans riposter, tout en serrant l'humain contre lui. Asriel sourit et se retira. Il s'est fait déglinguer par les humains, c'est gravement blessé. Asriel finit par rentrer. Arrivé au château, il s'effondra. Sa poussière se dispersa dans le jardin. Ah, il meurt! Il meurt comme quand tu tues les ennemis s'ils deviennent en poussière. Le royaume sombra dans le désespoir. Leur majesté avait perdu 2 enfants en une nuit. Les humains nous avaient à nouveau ôté tout ce qu'il nous restait. Le roi déclara alors que ce serait la fin de notre souffrance. Désormais, chaque humain qui tomberait ici trépasserait. Avec suffisamment d'âme, nous pourrions briser la barrière. Du coup, c'est Asgore? Le roi, nous y sommes presque. Le roi Asgore nous délivra. Le roi Asgore nous redonnera espoir. Le roi Asgore nous sauvera tous. Eh, j'ai des frissons là. Ça ne te fait pas sourire, toi? Tu te trouves pas ça génial? Ça ne t'emplit pas de joie? Moi, tout ça m'emplit, c'est de détermination.
Tu vas bientôt être libre. Il y a l'ascenseur là. Oh putain, ce couloir, je le connais. Bon bah, alors je le connais, ce couloir. J'espère pas que je vais devoir... Wesh. Sans. Wouah, et je le connais ce moment, mais j'ai jamais vu un extrait vidéo. C'est une dinguerie. Ainsi, tu as pu parvenir jusqu'ici. La fin de ton aventure est proche à présent. Dans quelques instants, tu vas rencontrer le roi. Ensemble, vos choix détermineront le sort de ce monde. Pour l'heure, toi, tu vas maintenant faire face à un jugement. Toutes les actions que tu as entreprises jusqu'ici seront jugées. Il en va de même pour les points d'XP que tu auras à la gagner. Que signifie XP? Il s'agit d'un acronyme. Cela signifie exécution point. Point d'exécution. Ces derniers qualifient la souffrance que tu as infligée aux autres. Je vais l'affronter. Lorsque tu tues, ton XP augmente. Lorsque tu en as suffisamment, c'est ton love qui augmente. Love, également un acronyme. Cela signifie level of violence, ton niveau de violence. Ce dernier reflète ta capacité à infliger la souffrance. Plus tu tues, plus il t'est facile de perdre toi-même de vue. Plus tu perds toi-même de vue, moins tu souffres. Et plus il te sera facile de te faire souffrir autrui. Tu comprends mieux à présent. Il est temps pour toi d'être jugé. Oh, c'était incroyable aussi. Maintenant, interroge-toi. Penses-tu avoir pris les bonnes décisions? Et, sachant ce que tu as fait, que vas-tu faire à présent? Prends le temps d'y réfléchir. Bah attends, j'ai tué quelques petits ennemis. Je l'ai fait de sang-froid, certaines fois. Ok, maintenant les boss, j'ai pas tué tout le monde. Adjirai, peu importe ta réponse. Que qui compte, c'est que tu aies été honnête envers toi-même. Quant à ce qui va se passer, tout dépend de toi à présent. On va pas le tuer, on va pas l'affronter. Non! Attends, je crois qu'on l'a pas tué. Ok. J'ai même pas lu là. Salle du trône. On va devoir affronter Asgore, je pense. Là, c'est où? Je veux profiter un peu de ce qu'il y a. Oula. What? C'est un cercueil. Un nom est gravé dessus. Arthur. C'est vie. Il y a toutes les âmes. Mais oui, il y a toutes les âmes. Là, c'est mon âme. Là, c'est l'âme orange que j'ai pas eu, je crois. L'âme jaune, c'est le gun. L'âme verte, c'est le bouclier. Et l'âme bleue, comme ça, on l'a pas eu aussi. Oh. Il y a la lumière du jour. Pom, pom, pom. Attends, mais je crois que c'est la voix quand t'as un game over qui dit « Ne lâche rien, Arthur » et tout, enfin, il dit un truc comme ça. C'est Asgore qui nous parle, en fait. Oh, il y a quelqu'un. Un petit instant. J'ai presque fini d'arroser ces fleurs. Il est gentil, Asgore, apparemment. Et voilà. Coucou. Comment puis-je? Oh non. Oh! Oula. J'aimerais tant pouvoir te dire. Voudrais-tu une tasse de thé? Mais tu sais déjà ce qui nous attend, je suppose. Oh non, j'ai pas envie de l'affronter, il a l'air trop... Moi je le tuerai pas, ça c'est sûr. Belle journée, n'est-ce pas? Les oiseaux chantent, les fleurs s'épanouissent. Un temps parfait pour jouer à la balle. Il regarde le soleil en fait. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Quand tu auras terminé de te préparer, viens dans la salle suivante. Là, je pense qu'il y a la lumière du jour ici. C'est incroyable. C'est un peu stressant comme situation. Toi que c'est juste comme une visite chez le dentiste. On va l'affronter là? Non, mais c'est le début. Tu as pu te préparer avant? Ce n'est pas le cas, je comprendrai. Je ne suis pas prêt moi non plus. Regarde. What the fuck? Voici la barrière. Oh! C'est ce qui nous garde tous piégés ici, sous terre. Si tu as encore des affaires à régler, je t'en prie, finis ce que tu as à faire. Continuez, partir. Je vois. Tout ce que tu veux faire a son importance. Même des petites choses comme lire un livre ou aller te balader. Prends ton temps. Attends, faut se barrer là du coup. Combattre.
Je vois. Alors, ça y est. On peut y aller. What? Ah, c'est les dernières âmes qui nous restent. Attends, Scrubus qui est sur la salle, son étrange géant perce machin. Votre voyage touche maintenant à sa fin. Cela vous emplit de détermination. Humain, c'était un plaisir. Adieu. Oh, épargner. On peut pas l'épargner. Oh non, attends, non. Action, Asgore, parlez. Mais il n'y a rien d'autre à dire. Ah, il a même ça. What the fuck? Oui, château. Mais il n'y a rien d'autre à dire. Ok. Ok, ok. Ah, bon, de toute façon, on ne survivra pas, mais... Radjir. Oh. Ah, merde, oui, je suis con. Quand il va faire une attaque bleue... Ah, je suis mort. A muerte, ouais. Ok, je sais comment faire, d'accord. Ok, donc faut juste survivre. Évidemment, j'ai des... j'ai de la bouffe. Enfin, je crois. Attends, parce que là, il va falloir peut-être que je rachète de la bouffe. Je pense que je vais faire une petite ellipse. Ah, je vais aller chercher des objets à Snowdin. Donc, téléportation. Voilà, c'est bon. J'ai acheté... j'ai acheté plein de trucs, on peut voir là. J'ai acheté plein de lapins cannelle. Et j'ai pris le morceau de bonhomme de neige. Comme ça, au moins, il sera là jusqu'au bout pour Asgore. Si jamais j'ai besoin, je le bouffe. C'est pas grave. Donc là, faut faire toujours combat... Ok, donc là, en fait, ouais, faut juste tout le temps... Ah putain, ok, objet, lapin, la cannelle, parfait. Ok, donc ça, faut choisir le bon trou, en fait. Comme, c'est un C, en fait. Parfait, 126, ça, c'est super bien. Oh, wesh! En vrai, ça va. Faut pas bouger du tout. C'est trop bien. Et ce jeu, c'est un des meilleurs jeux indépendants du jeu en général. C'est un des meilleurs jeux de la vie du monde. Je vais le réussir, ce combat. J'ai rien dit. Waouh. Oh. Là, le jeu, il est... Le combat, là, il... Ouais, là, d'accord, ok. Ok, il commence à vraiment devenir plus dur, là. Je suis mort. Non, c'est pas grave. Faut juste que je me concentre un peu plus. Non, c'est pas grave. Or lui par contre je comprends pas trop parce qu'il a un truc spécial avec son combat. Il a 4 traits là d'attaque. Je vais peut-être essayer avec un objet, genre c'est peut-être un couteau ou quoi. La dague là. Ouais. Je vais essayer d'équiper un couteau là, un truc comme ça. Faisons le test. Ok d'accord, ouais, c'est ça. Merde, je suis trop con. Ouah, ça fait beaucoup de dégâts par contre. Bon je sais pas si c'est la bonne arme mais bon. 624. Ah. Alors c'est comme ça. Je me souviens du jour où mon fils est mort. Tout l'autre monde avait perdu espoir. Notre avenir nous avait de nouveau été volé par les humains. Pris de colère, je déclarais la guerre. Je jurais que j'exécuterais tout humain qui oserait venir ici. Que j'utiliserais leurs âmes pour devenir un dieu. Et nous libérerais de cette infâme prison. Et qu'ensuite, je détruirais l'humanité. Et je laisserais les monstres régner en paix sur la surface. Rapidement, l'espoir du peuple revint. Cependant, ma femme fut horrifiée par mes actes. Elle partit d'ici et disparut aux yeux de tous. En vérité, je ne cherche pas le pouvoir. Je ne veux faire de mal à personne. Je voulais juste que tout le monde garde espoir. Mais je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Je veux juste revoir ma femme. Je veux juste revoir mon fils. Jeune enfant, je t'en prie. Cette guerre a assez duré. Tu as le pouvoir. Prends mon âme et quitte cet endroit, maudit. Clémence. Après tout le mal que j'ai voulu te causer, tu préférerais rester ici et souffrir plutôt que vivre une vie heureuse à la surface.
Humain, je te promets qu'aussi longtemps que tu resteras ici, ma femme et moi prendrons soin de toi du mieux que nous le pourrons. Nous pourrons nous raconter des histoires, assis dans la salon et manger de la tarte au caramel. Nous pourrions vivre comme... comme une vraie famille. Louis, je vais te baiser ta mère. Imbécile! Tu n'as donc rien appris dans ce monde. C'est tuer ou être tué. Il a toutes les âmes. Wesh, mon jeu, il s'est fermé. Eh ben, je crois qu'on va se laisser là pour aujourd'hui, les gars. Hein. J'espère que cette vidéo aura plu, comme d'habitude. Likez, commentez, activez la cloche et abonnez-vous, c'est très important. Ça me soutient. On aura combattu Asgore. J'aurais malheureusement tout fait pour ne pas le tuer. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, c'est dans la description, ça me ferait plaisir. Enfin, bref. Du coup, sur ce, moi, je vous dis... hasta la vista!